Tada. Bon, j'ai oublié de faire ça. Un petit peu augmenté quand même. Allez, let's go. Alors, tac, tac, tac. Allez, 4 kilos fusil à pompe. Pour les 4 kilos aux pompes, je peux tenter d'aller à Tilted. Ça se tente. J'espère tellement que je vais avoir le bâtiment. Non, normalement là je l'ai. Et c'est un pompe. Je suis tout seul là, Tilted? C'est une blague. Ah non, d'accord. C'est juste qu'il n'y a personne là où je suis. Oh, franchement, ça se tente. Non, ça sert à rien. Ah, ça j'aime bien. Je prends ça quand même au cas où. Ça. Ça. Non mais il y avait pratiquement personne dans cette ville en fait. Merci. Il est où ce gros con? Switch d'armes! Putain, je déteste ce bug. Genre, je spamme ma touche pour avoir le fusil à pompe et il est encore en construction.
Genre t'es obligé de encore changer d'arme pour encore changer d'arme, c'est génial. Donc tu dois faire un double switch pour avoir l'arme que tu veux. D'accord. Non, mais ça va. Hein. Qu'est-ce que ce truc? Oh putain, mais sérieux quoi. Cinq, quatre, trois. 2, 1. Yolo. J'aurais dû sauter un peu plus tard, genre vers là. Putain, mais y a pas grand monde là. Non mais nique ta mère, allez, vas-y. Salut. Salut. Merci. J'en ai marre. Alors, en fait, je vais faire 1 kilo fusil à pompe par game. Hein. Bon, bah, encore 2 games dans ce cas. Hein. Tac. Là, 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 là.
3, 2, 1. Là. Voilà. Merci. D'accord. Genre comme ça. Ouais, t'as raison. Fais ton kéké, t'as raison. T'as un retour de karma dans la gueule, c'est tout ce que t'auras. Par contre, ça va pas changer le nom, c'est génial. Voilà. Dépêche-toi la page. Bon, bah, te refoutre. Hein. Bon, au moins, ça a été changé. Bon, bah normalement durant ce game, je finis mon défi.
Bon, bah j'ai rien dit, hein, génial, vive Malok, il me donne aucun fusil à pompe, rien pour me défendre. Mais non, l'arme, ma rafale n'est pas une, une arme à défense. Voilà. L'arme à rafale, c'est juste une arme de merde. Là, il y a un pompe. Non, attends. Non, mais... Ça me fout cette blague. Alors toi! Mais la tête que tu t'es prise! C'est le karma pour avoir voulu camper comme ça. Bah oui, bien sûr, le mec il est dans mon viseur. Alors, quand même, celui qui est avant, j'avais limite pas mon viseur dessus, je le tue. Par contre, lui, j'ai mon viseur dessus, je le touche même pas. Fortnite. Allez. On va dire qu'avec les défis là, je passe le. Je serai à palier 1 avec le au pass de combat. C'est génial. Je vais me tenter un petit plaisante. Je prends la baraque qui est juste en face de moi là.
Non mais sérieux? Je l'en du haut après, je pense. Tant pis si j'ai un random. Sinon, je joue en section solo. Allez, je prends ça. Ça serait déjà mieux en fait d'avoir l'arbalète. Ah ça m'intéresse. Ouais par contre j'ai vraiment personne. Oh la vache. Alors, où est-ce que ça a tiré la balle? Là. Vas-y, amuse-toi, construis pour ton plaisir. Bien évidemment. Oh, je veux bien voir comment il meurt. Allez. Capa. Non mais mec, t'es sérieux en face là? Merci. T'as le nombre de balles qu'il a mis à côté aussi. Merde, j'ai oublié d'aller en audio. Bon, c'est pas grave.
Oh putain. De souvenir, rien, c'est génial. Ici non plus. Non, sérieux? Merde. Non mais sérieux. Allez hop, on prend un peu de bois. Ça va quoi là-dedans? Grenade. Allez, va pour des grenades vite fait. Ben non, en fait, lol. Problème, je suis déjà plein. Allez hop. Je sais pas pourquoi ça commence à avoir des drops. Genre OBS ça le faisait pas et là ça le fait. Alors, est-ce qu'il y a des gens par là? Oh oui. Touché. Non mais dégage. Non mais dégage. Voilà.
Cadeau! Allez, monte ta tête. Salut! C'est sympa en tout cas. J'ai tellement l'impression qu'ils faisaient une team, genre. Non, sérieux? Allez, dépêche. Je l'ai vu. Le petit coffre. Hop. Bon, bah, je suis pas au milieu de la zone, mais bon, je peux toujours aller genre aller là, à l'usine. Bah, d'ailleurs, c'est la prochaine zone, hein? Alors, un peu sur la droite. Et normalement, on devrait le voir par là. Non? C'est quoi ce délire? C'est quand même pas derrière les arbres. Ah non, il est là. Oh. Ah non, mais lui, il est dans le sous-sol. Loul. Bah à la place c'est du bandage hein. Non d'accord, il y en a bien encore hein. Allez. 1, 2, 3. Évidemment. Alors, du bleu. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est dingue, hein? Dingue. Il y a peut-être des gens en retail. Celle-ci. Après, peut-être pas celle-ci en lui-même, mais genre à côté, comme là, les constructions qu'on voit. Non, sérieux? Chocolat.
Je suis vraiment un connard pour rater des balles comme ça. Putain, 10. Pardon. Alors. Non. Alors ça par contre c'est interdit. Non mais. Merci. Du coup, il est où le lance-roquette? Et le mec avait juste ça quand même. Un pion de magnum. Ah, il est là. Donc c'était de lui le lance-roquette. Bah attends, je vais aller m'occuper de toi mon grand. S'il te plaît, putain de merde. Salut! Vas-y, tiens. Un jiggle, waouh. Franchement, je suis trop content d'avoir fait tout ça pour rien. Ça sert à rien, mais bon, c'est drôle. Ça a pas été fouillé ici, d'accord. Ah, il y a un loot là. Juste derrière le mur.
Franchement, je vais le tenter. Sauf si c'est vraiment un peu loin. Non, franchement, ça peut se tenter sans même prendre de dégâts. Hein. Je pense. Non, t'es obligé de prendre des dégâts. Bon, YOLO. Hop, déjà je fais ça. Et voilà, bonne journée. Ne perdre que 5 PV. Pour une Scar en or. Totalement worth. Pardon? C'est le missile que j'ai commandé qui fait ce bruit? Mais non, pas encore ce tour de merde. Faut que je trouve d'où vient la... Salut! Oh, salut Jean, comment ça va? Oh merde. Il est déjà moins fat que certaines personnes. Hein. Bon, on a fait en sorte en fait à ce que les endroits vraiment pas intéressants soient cachés, genre les trucs par rapport au kill. Franchement. Bon, par contre, ils sont où les deux derniers? Non, mais il est pas sérieux. Oh, va te faire foutre à camper là-haut, toi. Tranquille, tranquille. Donc, Putain, j'ai encore oublié de mettre Tio. Je vais faire la connerie à chaque fois. Salut, 455 547. Comment ça va? Ouais, je crois avoir ça. Ok, bah c'est cool. Où est-ce que je pourrais aller cette fois? Je vais aller à l'autre bout de la planète, je vais aller là. Appelle-moi T3. Bah si ça te fait plaisir, hein. Allez.
Bon, je pense que je vais aller à Wailing Woods, au pire. Shift Shift. Je sais pas pourquoi, j'ai tendance à mélanger les noms. Quoi, Woods? Ah, aller à Wailing Woods, bah au pire la prochaine, ouais. Non, sérieux, y'a vraiment rien? Pardon? D'accord, bon bah, quand j'allais au Limous, hein. Ah, bien. Énorme kappa. Bah du coup, je vais vite fait tester en duo. Ah putain, en tout cas c'est génial de pas avoir le temps de voir les ennemis. Hein quoi, comment ça je suis là? Mais non, jamais. Oui. Alors, bah le... Wailing Woods c'est juste là, donc directement aller. Ah, franchement, c'est pas dégueu. Oh putain, j'avais zappé que j'avais un mate. Oh putain, ça va tellement me faire bizarre à chaque fois. Bah à la limite si tu fais ça un mec cancer je veux bien comprendre mais bon quand c'est juste que des kills dans le dos ou quoi mais y a tellement rien de fun. Ouais. Alors moi le seul moment où je fais vraiment ce genre de danse c'est quand je bute un mec cancer qui joue full roquette en étant dans une putain de tour. Genre le mec il peut rien faire d'autre de sa vie. Sans sa tour et ses roquettes, il est rien. Ok là. Tac. Oh, j'en ai un petit tas d'emotes, mais. Il y en a que deux que j'utilise contre les cancers, et sinon, bah. J'avoue quand même, quand un mec meurt en face de moi alors que je l'ai à peine touché, il y a juste. Cette emote que je m'amuse à faire. Car c'est tellement drôle quand un mec se suicide devant toi, mais sans même le toucher. Bon bah normalement j'ai plus le tour. Hein. Allez hop un peu de bois. Bon bah ça je suis pas trop dégueu hein, sauf cette fois. Bon bah lui il a déjà pris son truc donc je fais ça. Même si j'en avais un autre je le mettrais pas. Oh moi je le prends juste pour le style. Ça, c'est mon préféré. Parce que j'aime les bêches. Allez hop, on récupère un peu de bois.
J'adore faire des fails comme ça, c'est génial. Allez. Ah bah moi le clap c'est juste quand quelqu'un se suicide justement. Le mec qui s'éclate avec ses grenades derrière. Alors, il n'y a pas de coffre, mais il y a un mec. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Faut jamais aller FK sur ce jeu, toi. Franchement, les délires explosifs, j'aime pas du tout. Déjà que les mecs qui campent avec leurs roquettes dans leur tour, ça me pète les couilles, donc le mode explosif, ça me fout juste les boules de qu'il existe. J'ai horreur de ça. N'empêche que son pote il était bien drôle aussi, à celui qui était dans le camion. Genre, il y en a un AFK dans le camion et t'as l'autre qui était déjà en train d'avancer. Je commence à le regarder. Pardon? Ah mais ce jeu, putain. Bon, on peut vite fait voir ce qu'il y a par là en plus de stuff. On va déjà prendre du bon en plus. Ça tire de où? Je sais pas du tout d'où ça tirait. Ah, par contre, là, ça construit. Putain, mais t'es un génie, toi, en fait, hein. Ah, toi, tu lags. Oh, toi, tu lags. Oh le mec qui lag. Oh la TP. Tard d'élite que je portais pas le fusil à lunettes. Fait rien de dégâts. Bah en fait, si tu parles du fusil d'assaut à lunettes, les dégâts, faut vraiment bien savoir viser dans la tête pour être sûr de faire les dégâts. Et si tu parles directement du sniper, vraiment, le sniper, c'est soit tu arrives à bien pré-shot dans les têtes, soit c'est mort. Genre, j'avais justement testé ça avec des potes, putain, mais. Machin, c'est. Tu rates une balle. Si c'est pas dans la tête, t'as 90% de chances de mourir. On est bien d'accord, il laguait. Le geek gamer, putain, ce pseudo.
Bon bah si tu décides pas, moi je suis. Le mec il doit être en train de régler son micro, c'est génial. Ah d'accord, non en fait c'est un AFK, je sais pas. En tout cas c'est un génie. Oh stylé ça. Franchement il est stylé son parachute à celui tout à droite. Putain mais fais chier, c'est ma baraque généralement celle qui est à gauche. Quoi? Non mais... Même pas je l'entends tirer hein. Ouais bon bah génial l'AFK. Fusil d'assaut lunettes. Oui non mais c'est ce que je dis, le problème c'est que le fusil d'assaut lunettes, ça aussi c'est soit tu tires dans la tête, soit tu sais vraiment ce que tu fais. Et si tu tires dans le corps, faut vraiment être rapide et être sûr que le mec soit à l'eau. Sinon ça sert à rien. Après si t'étais vraiment en solo pour le tireur d'élite, ça sert à rien de prendre le fusil d'assaut à lunettes parce que si ton but est de faire des kills, c'est pas la bonne idée. Genre même si tu fais des têtes, faut vraiment être sûr que le mec n'ait aucun shield et n'ait pas de réaction. Car le truc c'est si le mec a toutes les réactions au monde, t'auras beau tirer, ça servira à rien, il aura déjà fait toute une baraque en bois, voire en métal. Bigomon 2008, allez, un gamin de 10 ans. C'est un génie celui-là. Bon bah je vais aller à l'anarchie hein. Ah, merci du follow Edin. Est-ce que va y avoir le... l'annonce, enfin l'alerte, s'il te plaît? Ouais c'est bon. C'est le temps que ça se mettait à jour. Vive les bugs de Streamlabs. Avant j'avais l'annonce, enfin l'alerte avant d'avoir le message, maintenant c'est j'ai le message avant d'avoir l'alerte. Oh putain Streamlabs. Un bonheur. Non, pourquoi cette baraque quand je suis tout seul dedans, il n'y a jamais rien. Pas la moindre arme. Non mais littéralement. Et la seule arme que je trouve c'est ça. Bonjour, c'est ma chance. Ah bonjour, j'ai un génie aussi. Un mec qui va à côté de Loot Lake, normal. Aucun problème. Oh je vois un truc violet. Oh je sens de la merde. Oh je sens le distributeur de merde. Attention, Deagle, allez. Ensuite, Sniper. Fusil d'assaut lunettes, ok, que de la merde. Non, en vrai, le sniper ça va. Fusil d'assaut lunettes, pas top. Mais le Deagle, sérieux, c'est limite une blague. Ouais, bon, dans tous les cas, j'ai pas 400 de bois à foutre dans un sniper.
Bah ça dépend, des fois j'ai de la chance, des fois j'en ai pas, et là bah j'en avais pas. Oh non, 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 non. Quand tu veux, tu construis. Hein. Allez, vas-y, c'est mort. Mec, il termine. J'aurais dû terminer son pote. Ah. Y a pas une game où j'aurais vraiment personne avec moi. Des pommes, mais t'es sérieux, mec? T'as envie de trouver un endroit qui a le même potentiel que ton cerveau? Alors déjà il y a une team avec nous. Oh, il est où celui qui tapait dans le vide? Ah ouais, non, je vais mettre ça d'abord. Voilà toi. J'ai mis aucune balle. Voilà, quand je redoutais, c'est vide. Putain, mais il te faut 5 ans pour faire tes courses, comment ça se passe? Putain, la vache! D'accord, donc t'es con à ce point-là en fait. Bon bah je garde le silencieux. Allez, ouvre cette porte. Oh le bâtard. Là, il y a un bush.
Ça, je prends. Ensuite, rien. Allez. Encore des balles, ouais. Bon bah là j'arrive à être bien sérieux en balle. Fusil à pompe automatique. Ah putain, putain, il y a un fusil à pompe. Un chasseur bleu. Flemme de faire le tour. Je veux tenter l'arbalète. Et en plus, je suis full bleu. Sauf un shield. Capable. Putain, mais ce mec, il faut 10 ans pour faire un truc. Bon, ça me saoule, je prends déjà 50 points de vie, enfin 50 de défense en plus. Hop. C'est génial en tout cas d'avoir des mates comme ça. Oh salut, il a enfin fini? Non. Passez-moi, je suis en train de rêver. Ah bah ça y est, j'ai enfin une potion. Ah, je crois que mon mec s'est fait un copain. Ah.
Bon, qu'est-ce qu'il branle lui? Il lui en faut lui du temps pour visiter des trucs, hein. C'est clairement la dernière fois que je joue avec un mec comme lui. Non, je déconne, ça m'arrivera toujours. Mais bon, ça change pas ma façon de jouer, moi. Et encore heureux. Mec, mais même en bush, quoi. Genre, même quand t'as un bush, t'es censé bouger un peu. Pas rester sur place pendant 10 ans. Je croyais qu'on joue à Fortnite, moi, pas à Bush Simulator, hein. Ah mais clairement si je trouve une team, je leur montre directement où il y a un mec. C'est tout. Genre tu veux t'amuser à être con, il n'y a pas de souci, hein. Moi aussi je peux jouer le con. Oh, va te faire. Bah oui, bien sûr. Dégage. Et juste pour avoir cherché le kill. Dégage. Genre, j'adore quand j'ai pas de construction comme ça. Alors, tac. T'es un génie, toi. Pas putain de totalement me prendre une balle. Dans tous les cas, je m'en fous, j'ai ni heal ni rien donc. Mais putain de. T'es un enculé. Nique bien ta mère. Tu te démerdes avec tes potes. Amuse-toi. Putain, la brutie qui construit juste devant ma gueule, c'est génial. Bon, c'est ça, hein, de rester là.
Je vais dans la petite baraque là-bas. On aura peut-être d'huile. Même si je crois pas du tout. Ah, vu que des balles ont déjà j'ai déjà l'impression que des balles ont déjà été prises. Ouais. Ok, donc vu. Donc il y a une team là-bas, ou au moins un mec. Il y a un mec là-bas. Ok, donc là il y a une il y a là je crois que c'est un deuxième mec. Exact. Non mais. Putain, le pire c'est que je m'en doutais. Je savais juste pas lequel allait m'attaquer en premier. Mais j'ai merdé. Bon, ça fait déjà 1 h 20 que je suis en live, donc je vais faire une petite pause. Ah non, clairement, toi, je vais pas t'accepter en ami. Je te décline direct. Vu comme tu joues, j'ai pas besoin de toi. Du coup, fin du live. Je referai un petit peu plus tard. Peut-être pas du Fortnite. Peut-être du Overwatch, du Ozu, je verrai. Peut-être un speedrun, je sais pas. Bref. Merci d'avoir suivi ce live, cette rediffusion ou cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.